Oh, alléluia. Alléluia. J'aimerais remercier, commencer par dire merci à nos amis jumeaux qui nous surprennent aujourd'hui. Certains mois, je n'avais pas su. Que le Seigneur vous bénisse. J'entends qu'il y a plusieurs couples, on les appelle comme ça. J'ai appris que les jumeaux, quand ils sont deux-mêmes, deux hommes, c'est un couple. C'est bon ça. Alors, il y a plusieurs couples, j'entends qu'il y en a cinq qui vont devoir défiler avec différents tubes du pasteur Mike. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que vous, qui a rompu le monde qui a rompu la stade? Dans sa présence, c'est son fils. Son fils. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci. Merci énormément. Écoutez, je suis là pour une rubrique importante. Vous constatez avec nous que nous avons des figures presque inhabituelles parmi nous. Nous allons le recevoir maintenant même. Ils sont à Dieu. La première personne que je vais voir inviter tout à l'heure, elle n'est pas seule. Ils sont en équipe. Il y a un qui va devoir prendre la parole. Ils viennent d'un père. Alors, on veut prier, on va recevoir avec beaucoup de chaleur, parce que c'est des personnes qui méritent comme ça un double honneur de notre part. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelques semaines, ici chez nous. Ah oui, hein, ce sont des moments festifs, j'ai dit. Je pense que vous avez dit mon honneur sur le point. Bientôt là, il se prépare, il va nous surprendre à être dimanche.
savons rien en nous derrière lui, notre Père. Papa, Claude Wallace, également avec maman Jean. J'appelle du haut de cette chaire le pasteur Serge Mamba Wallace, notre avance. Qu'on introduise la sexualité pratique
même dans les écoles primaires. Dans le milieu des bateaux, parce que dans la caméra, dans le milieu des rentrées scolaires, il y a pas ça, la conservation sanitaire, tout le monde n'a pas qu'à qu'il a. Le diable est en train de venir à grande vitesse. Parce que quand il y a un bailleur, tu as un moment pour moi, comme un cas, il faut des hommes qui s'élèvent. Et c'est même là-bas, tout le monde, comme un cas, c'est même là-bas, tout le monde, comme un cas, c'est même là-bas, tout le monde, comme un cas, c'est les hommes comme le révérend Mike, moi je ne les considère plus comme des chambres. J'ai une manière de les appeler. Ce sont les rébâtisseurs de l'autel. Ils ont donné leur vie lorsqu'ils ont détruit l'autel qui était mis en place. Au risque de leur vie. Et lorsqu'ils ont commencé à rebâtir l'autel, il a fallu également les hommes pour les soutenir. Et parmi ces hommes qui se sont levés pour soutenir les bâtisseurs de l'autel de Dieu, la carte à le limiter des marches sont dans mon salon, mais pas pour moi et tout, mais nous avons le révérend évangéliste Claude Camondouès. Nous avons le révérend évangéliste Claude Camondouès. Nous avons la carte à Bissot, un homme fou de Jésus. Pour toi, il a la mais il a il est son père, il est aussi mon père. Dans les jours passés, il y a le révérend docteur qui est passé pour annoncer que papa Wallace a soutenu la célébration du Stade Martyr. Mais collègues, nous, les docteurs, ces gens, les cas qui ont la police, ils sont et que papa Wallace a soutenu les élèves de la Martyr. Dans l'achat de 10 000 billets, je crois. Il est assez à dire qu'on soutient à 10 000 billets. Et ce jour, mon collègue, je suis venu Naïpé pour honorer l'engagement. Pour la communion, la bienvenue sur le droit. Le nom je viens de la part de votre père. Là, il a signé pour hier, la petite, la tête à la mission. Un homme de parole. Votre nom pour amener la bienvenue. Il le dit et il le fait. Un jour, il a dit que c'est la salle. Il m'a dit de vous dire. Qu'il sera là à vous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne s'arrêtera pas. Il sera toujours avec vous. Il m'a dit de saisir cette opportunité pour dire à tous ceux qui suivront ce message qu'on puisse s'allier derrière cet homme de Dieu, qu'on soit au stade des martyrs, parce que lui aussi sera là pour qu'on puisse appeler le révérend Mike à rebâtir l'autel de l'Éternel, l'autel d'adoration pour Dieu. N'oubliez pas le mot. Le cri qu'on a lancé ici, ce n'est pas un hasard. Mon bongo m'a payé les ailes qui m'ont passé. Papa m'a dit ça. Ça veut dire que Dieu soit là sur la stade. Maintenant, il faut que j'observe la stade. Et quand je l'ai encore pour moi, ma tête est beaucoup plus sous mon site. Quand on a la stade, la vie de Église du Seigneur, et toi, maman, santé, nous sommes très heureux. Pour nous, personnellement, c'était la première fois. Mais nous n'avons pas nous arrêter ici. Ne soyez pas surpris que de voir, nous sommes assis là au fond sur les cultes, puis après, on fuit. Parce que ici est aussi une autre maison pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Ensemble. Et tout ce que je lui dis, j'aimerais rester attaché à votre onction, à votre personne. Il n'a pas hésité de me donner son numéro. C'est un père, j'assiste à un père. Alléluia. Oh, alléluia. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Malgré son agenda très chargé, un agenda très chargé. Ça n'empêche pas de me dire qu'il est subitement comme ça, conseillé de plusieurs, plusieurs chefs d'État en Afrique. Conseillé de plusieurs chefs d'État en Afrique. Et il demande comment il fait pour avoir tout ça dans les mains. Alléluia. Oh, alléluia. Le peu de temps que j'avais échangé avec lui, je comprends que c'est un homme. Dans la bouche, pas seulement dans la bouche, mais dans le cœur duquel le Seigneur a déposé une portion importante de sagesse. Alléluia. Il est de la race des Achitophel dans la Bible. J'aime ce que la Bible dit d'Achitophel. C'est-à-dire un conseil d'Achitophel va aller et ainsi dit l'Éternel. Mais c'est pas pour rien que les chefs d'État au pluriel. On rencontre près de 5 qui écoutent cet homme et avant même de lui prendre certaines décisions, ils disent, mais Bishop, qu'est-ce que vous pensez? Dieu a dit quoi? Alléluia. Église, amen. C'est depuis justement que le docteur Présent nous avait parlé. Aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le bishop. Mais avant de me l'appeler, je signale qu'il est responsable, visionnaire, représentant légal de la communauté Grace Faith Ministry à Londres, en Angleterre. Amen. Alors, avant qu'il était bien, est-ce qu'on peut se tenir? Il est important d'honorer des hommes comme ça. Rappelez-vous qu'il y a certaines personnes qui sont des hommes ordinaires, mais il y en a d'autres. Ce sont des hommes d'or. Des hommes d'or. Ce genre de personnes, quand vous ne prenez pas bien soin de lui, ce qui a l'équipe pour la difficulté, pour le monsieur le royaume. Oh, vous voyez, hein? Oh, oui. Vous voyez. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Une personne dans la vie que Dieu est incapable de la remplacer. Oh, il ne faut jamais perdre une personne. Oh, il y a tellement de gens qui sont loyés. Et je vais être. Si tu découvres que la personne là, il faut les gérer. C'est une découverte de cette personne-là. C'est Mika. Il faut bien prendre soin d'eux. Parce que ce sont des personnes d'hommes. Alléluia. Aide-moi ce matin à recevoir l'homme de Dieu, le bishop. Charles Motondo, alors qu'il avance dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Courage, pas de force, c'est la vie.